Yo tout le monde, c'est Asgard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, la vidéo, ce sera pour vous apprendre à faire du pen spinning. Donc, déjà, qu'est-ce que le pen spinning? Le pen spinning, c'est faire des tricks, donc des mouvements avec un stylo, donc avec les mains. Donc, tout d'abord, je vais vous apprendre la première technique. Donc, ça va être cette vidéo, ça va être le thumb around. Donc, c'est quoi le thumb around? C'est une que à peu près tout le monde sait faire. Mais si vous ne savez pas la faire, ben voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, faut prendre le stylo et c'est ça. Donc, on fait tourner autour du pouce. Comme ça. Donc, déjà, comment elle fonctionne? Elle fonctionne, faut utiliser 3 doigts. Enfin, moi j'en utilise 4, mais il faut en utiliser que 3. Donc, le pouce, l'index et le majeur. Moi j'utilise l'annulaire aussi. Mais ça, c'est parce que c'est pour faire l'enchaînement après. Donc, je vous conseille de prendre le majeur au milieu. Donc moi j'ai fait un bâton de spinning perso. En gros c'est deux stylos qui sont coupés en deux, reliés par des cartouches, par une cartouche d'encre. Donc voilà. Donc faut mettre le majeur sur la moitié, donc à peu près la moitié, et l'index pouce, je dirais au milieu un quart. Donc il y a un quart là, un quart, un quart et un quart. Donc après, avec le majeur, il va falloir le faire toucher ici. Enfin, pas le toucher, mais faire comme si on claquait les doigts. Enfin, moi je fais comme si on claquait les doigts comme ça. Donc voilà, le stylo c'était ça. Et le rattraper avec l'index. Donc ça donne ça. Hop. Après, vous pouvez faire comme ça. Et je vous conseille de vous entraîner. Si vous n'y arrivez vraiment pas, moi je lance un peu mon poignet comme ça. Je fais avancer mon poignet, essayez, si vous n'y arrivez pas, ben, continuez sans faire bouger le poignet. C'est assez simple, c'est des techniques. Après voilà, on peut enchaîner sur un reverse. Ça, je ferai d'autres vidéos pour vous apprendre à le faire. Et on peut faire ça. Voilà. Donc ça va être la fin de la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Asgard, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus.